Il a toujours été dans la lune. Il n'a jamais les mêmes chaussettes et pas toujours les mêmes chaussures. Il s'habille bizarrement et il est toujours content. Même s'il est particulier, je l'aime bien. Yo. Ça va? Ouais, ça va, et toi? Bah, je maudis le première année qui a allumé l'alarme cette nuit. Bah, pourquoi? J'ai stressé à cause du contrôle d'hier, j'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Moi, ça m'amusait. Ça change un peu. Puis tu sais, t'as encore des milliers de nuits de sommeil qui t'attendent dans ta vie. Ouais. T'as toujours le mot pour remonter le moral. Et t'as eu combien au contrôle hier? Ah. J'ai eu 18. Waouh. Mais c'est une super note. Pourquoi tu fais la gueule? Je sais pas. J'aime pas trop ce nom. Je préfère le chiffre 8. Ou encore le 5. Il est bien plus stylé. 5? Ouais, 5. Et c'est ton jour de chance. Tiens. Oh, trop stylé. Vas-y, on échange, s'il te plaît. Bah oui, carrément. Oh, génial. Super. Hey! À qui tu dis bonjour là? Bah, à Lucas! Ah! Ce fameux copain Lucas. On bouge. Ouais, ok, on y va. Je demande juste à Lucas de venir s'il veut. Ok. Coucou maman! Bonjour madame! Sont là. Salut les garçons. Allez, les gars, on va dans ma chambre. Tu ne me laisses pas le choix. J'invoque le dragon Shivan. Tombé dans mon piège, Melvin. Tu vas direct au cimetière. Non. T'as pas une carte qui pourrait me sauver, toi? Comment ça, tu joues pas? Tu parles encore à Lucas, là? Mais oui, c'est... C'est pas toi qui viens me sauver, tu viens de tuer mon dragon. Pff, t'es vraiment qu'un monstre. Ok, toi et ton pote voulaient pas faire un Monopoly? Alors, par contre, je prends le chapeau. Ok. Ouais. Ah, carte chance. Kevin, tu me dois 3000. Ok. Tiens. Ah ah. Ouais. Attends, c'est pas ton tour de jouer, c'est à Lucas. C'est à Lucas de jouer, c'est pas ton tour. Pardon. Et bon, sans déconner, Melvin, faut que t'arrêtes là. Bah, de quoi? Mais de faire comme si t'avais un autre ami. Lucas, c'est mon copain, il a toujours existé. Putain, mais il existe pas. Déjà, tu dis pas de gros mots dans ma chambre. Puis si t'es pas content, c'est parce que tu perds. Alors moi, parce que je suis gentil, je vais te laisser jouer à la place de Lucas. Ok. Désolé, mec. C'est un mauvais perdant. Tu tombes chez moi, allez, raboule le fric. 4 centimes. Ouais. C'est fou que vous ayez pas de chance, les gars. Vous tombez toujours sur mes cases. Mais ouais, comme d'habitude, tu gagnes. Bon, écoute, je vais y aller. Je rentre chez moi, ok? Ok. Allez, salut. Ok, bah à demain alors, salut. Il aime vraiment pas perdre celui-là.
Merci beaucoup. Tu viens de me sauver la vie. Oh, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, y a pas de quoi. Je t'aurais bien donné mon numéro, mais bon. Mélanie, enchantée. Melvin. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air tendu. C'est juste que j'ai pas l'habitude. L'habitude de? Des filles. Ben, je peux t'aider si tu veux. Après tout, tu viens de me sauver la vie. Ah bon? Ouais, carrément. On peut se voir demain et je te donnerai des conseils. Ok, très bien. Si tu veux, tu pourras venir chez moi. Ouais, ça marche. Bon, ben, à demain alors. Ouais, à demain. Salut, Melvin. Oh, salut, Mélanie. Première leçon. Quand on salue une fille, on lui fait la bise. Ah, reçu 5 sur 5. C'est quoi ça? Ah, c'est mes dessins. Ils sont stylés. C'est vrai, tu les trouves jolis? Ouais, franchement, tu te débrouilles bien. Merci beaucoup. T'as déjà fait du tag? J'en ai jamais fait, ouais, mais j'ai toujours voulu en faire. Ça tombe bien. Disons que j'exerce moi-même mon propre art de rue. Waouh, ça tombe vraiment bien. On pourra y aller ensemble la prochaine fois? Ouais, carrément. On va sur le lit? Ouais. Allez, reste pas planté là, viens, c'est marrant, allez. Désolé. C'est pas grave. Melvin, à table. Ah, désolé, je dois aller manger. Maman n'aime pas attendre. T'inquiète, c'est pas grave, on se voit dans la semaine. T'as entendu, il y a eu un accident dans le quartier. J'espère que c'est pas trop grave. Et ça se passe bien à l'école? Oui, j'ai vu que j'ai échangé contre un singe, mais Kevin. Quoi? T'as échangé un pichet d'huître contre un singe? J'ai mangé. On peut les jouer comme ça? Bon, vous pouvez y aller. Super. J'ai rencontré une fille aujourd'hui. Je la trouve très belle. Mais non, je suis pas amoureux, t'es fou toi. Bon, à toi de jouer Lucas. T'as pas intérêt à perdre, sinon on reprend tout depuis le début. Mais non, je suis sûr que t'es pas si nul que ça. Tu te vois, tu débrouilles plutôt bien. Écoute-moi, au niveau 23, tu dois avoir ton stuff level 54 au moins. Puis avec le sort de congestion, ça passe. Non mec, ça passe pas. Le roi squelette fait popper des centaines de mini-squelettes et je me fais aggro comme un noob. Si, ça passe. Il faut juste l'anneau des vinaigres. Ah, à personne. Je suis pas folle. Tu parlais bien à quelqu'un. Il parlait à son ami imaginaire. Son ami imaginaire? Et il s'appelle comment, cet ami imaginaire? Oui, il s'appelle Lucas. C'est marrant ça. Et lui là, c'est qui? Ah oui, je te présente. Kevin, mon meilleur copain. Salut. Mélanie, enchantée. De même. Ton pote a moins de mal avec les filles que toi, ce que je vois. C'est pas nouveau. T'as tout ce qu'il faut pour le tag? Ouais. Vous allez taguer? Je peux venir avec vous? Ouais, carrément. Parce que plus on est de fous, plus on rit. J'ai mon vélo derrière. Je t'accompagne. Le mien, il est par là aussi. Cool. Pourquoi j'ai toujours cette musique dans ma tête? Oh Melvin, tu fous quoi? J'arrive!
Voilà. Qui veut quoi comme couleur? Moi, je prends le noir. Mais t'as qu'à me filer le blanc. Bon, bah, je vais prendre le reste. Eh ben mon pote, j'ai l'honneur de t'annoncer que t'es un putain d'artiste. C'est clair, y a pas de débat. Merci les copains. Tu veux venir voir mon tag à moi? Volontiers. Mais attendez-moi, non? Tu veux pas finir ton dessin? T'es loin d'avoir terminé. Bah dites-le si je dérange. J'ai pas fait de tag. Ah bon? Non, je réfléchissais à la façon dont le faire. De faire quoi? Ça va? Ça va super. Je me suis jamais senti aussi bien. Elle m'a embrassé, j'en reviens toujours pas. C'était le plus beau moment que j'ai jamais vécu. Je crois que je suis tombé amoureux d'elle. Elle non plus, elle t'a pas vu d'ailleurs. Quand je te parlais sur le banc, elle t'a pas vu. Comme Kevin. Ça fait longtemps qu'on se connaît, toi et moi. Enfin, que je t'imagine plutôt. T'es pas réel. Kevin a raison. Faut que j'arrête avec ces conneries. Je fais ça parce que j'ai pas beaucoup d'années. T'es complètement imaginaire. J'ai entendu cette musique, mais où? J'ai entendu cette musique. C'est pas ça, je crois que c'est plus. Je vois. Putain. Ça, c'est pas cette mélodie. Non, c'est pas celle-là. C'est pas possible, je deviens fou. Putain, non, c'est pas ça. Putain. Non, non, putain, non, c'est pas ça. Putain.
Salut les copains. Mon chéri, il a fait une forme bleue. Pardon maman. Ton copain voulait te voir, je l'amène avec moi. Mon copain ? Salut mon pote. Salut mec. Lucas m'a fait part de tes récentes crises. Heureusement qu'il était là pour prendre soin de toi. Mais t'existes pas ? Mais arrête tes conneries, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Je suis ton voisin, tu te souviens pas quand même ? C'était hyper chelou ces derniers temps. C'est bizarre dans la vraie vie, mais là, beaucoup plus que d'habitude. Tu sais, quand même fracassé le crâne contre un miroir, tu te souviens pas ? Ça m'a fait flipper quand même. C'est lui qui a appelé les secours. Oui, je me souviens. Pardon, maman. C'est pas grave, mon chéri. Je t'aime fort. Ne fais plus jamais ça. Promis, maman.